Allora, buongiorno a tutti, per chi capisce l'italiano e buongiorno, bonjour a tu per chi capisce il francese. E mi chiamo Matteo Dispenza e sono il consigliere delegato del Centro Turistico Cooperativo, che è la realtà, è un'azienda di sistema di Confcooperative, che è la più grande associazione, di rappresentanza cooperativa italiana. Parallelamente a questo, da anni mi occupo di turismo sia come docente presso l'ITS Turismo Piemonte, in cui insegno trend di mercato e project management, e con un paio di startup, di cui una è dedicata al turismo esperienziale. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Matteo Dispenza, je suis conseillère déléguée auprès du Centro Turistico Cooperativo, qui est une réalité qui se rattache à Conf Cooperative, qui est la plus grosse association italienne qui fédère des coopératives. Et puis, je suis aussi spécialisée en l'enseignement des thèmes concernant le tourisme, surtout les tendances de marché et aussi le project management auprès de l'ITS du Piémont. Et je m'occupe aussi de jeunes pousses, donc de start-up innovantes dans les thèmes du tourisme lié aux expériences, les tourismes expérientiels. Grazie a tutti. Parlando di turismo e Covid, io cercherò di non fare una cosa, cioè di dare opinioni. Qualcuna magari ve la darò al fondo, ma ho improntato la mia presentazione ai dati, perché domande sul futuro è difficile darne e non sono io la persona più qualificata e probabilmente non ci sono oggi tante persone che potrebbero rispondere e quindi partirò subito con una presentazione basata su un po' di dati, un po' di trend e un po' di scenari. Voilà, je commence tout d'abord en vous disant que, en parlant du thème choisi pour cette réunion thématique qui est donc la relation entre tourisme et Covid, je dis tout d'abord que j'éviterai de partager avec vous mes opinions personnelles, car personnellement, je ne pense du tout être la personne mieux placée pour le faire, et aussi parce que je pense qu'à l'heure actuelle, personne est en mesure de le faire. Et donc, je vais me concentrer uniquement sur des données et des chiffres. Vi condividerò lo schermo in questo momento. Je partage mon écran avec vous. Vedete il mio schermo in questo momento? Est-ce que vous voyez mon écran? Io lo vedo, sì. Perfetto. Allora, come dicevo, partiamo con qualche dato. I dati principali, partiamo dal secondo trimestre. Quindi aprile, maggio, giugno, e la cosa che vediamo è quello che potevamo immaginarci, ma vederlo nei numeri è sicuramente fa più effetto, un crollo che è tra l'80 e il 95% del mercato. Parliamo in termini di bookings, quindi di prenotazioni dei principali operatori online, parliamo in termini di revenue, quindi di fatturato, e parliamo anche di crolli in termini di EBITDA, quindi di risultato finanziario. Voilà, donc commençons par ce transparent montrant des données concernant le deuxième trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin 2020. Et vous voyez des chiffres qui sont assez impressionnants et le voir comme ça noir sur blanc, c'est encore plus marquant parce que vous voyez qu'en allant de réservation jusqu'aux recettes, jusqu'aux pertes en termes d'EBITDA, donc de résultats financiers général, les chiffres sont impressionnants, allant en moyenne de 80, de moins 80 à moins 95%. Donc en général, une véritable chute pour les secteurs du tourisme en ligne notamment, mais pas seulement. Questo dato invece riguarda i dati dei passeggeri voli USA. Una sola nota, i dati che userò vedrete che sono dati di turismo online o dati non italiani o non francesi, perché molte volte i nostri dati domestici vengono dati con molto ritardo,
per darvi un'idea, almeno in Italia a luglio abbiamo avuto i dati del 2019. Quindi è anche molto difficile analizzare in tempo reale i dati in Italia e anche in Francia in realtà. Sur cette planche, vous voyez les données concernant les vols passagers États-Unis. Et je tiens à préciser tout d'abord que je vous présente des données concernant le secteur du tourisme en ligne et donc des opérateurs en ligne du tourisme. Et deuxièmement, que je ne vais pas vous présenter des données ni italiennes ni françaises parce que malheureusement, au moins pour ce qui concerne l'Italie, les données arrivent avec un retard incroyable. Imaginez qu'au mois de juillet de cette année, on a reçu les données concernant l'année précédente 2019. Donc, on ne serait même pas en mesure de vous présenter des chiffres concernant l'Italie et je pense aussi pour la France. Non vi dico nulla di nuovo, questi sono i dati dei passeggeri dei voli degli Stati Uniti, dove vedete che siamo ancora ben al di sotto del 50% dei passeggeri rispetto al 2019. Voglio dire una cosa importante sul Covid, che sembrerà banale, ma non lo è così tanto. Nessun modello economico o econometrico può prevedere quello che sta succedendo. Ovvero tutti i modelli di crisi fatti in precedenza si basavano o su uno shock geografico limitato, quindi crolla la finanza in Argentina, oppure su uno shock di globale ma di brevissimo periodo. Qui siamo di fronte a un qualcosa che non era stato previsto nelle sue conseguenze e al cospetto del quale neanche gli economisti, neanche le grandi società di consulenza hanno delle metriche. Quindi per questo è difficile dare delle previsioni, perché non c'erano dei modelli matematici ed econometrici su quello che sta succedendo. Voilà donc les données concernant les passagers des vols des États-Unis et vous voyez qu'en général, on est bien en dessous de 50% des passagers des vols des États-Unis de l'année précédente. Et là aussi, je tiens à faire une petite précision autour du Covid, car c'est quelque chose qui pourrait paraître évidente, mais qui en fait ne l'est pas, c'est-à-dire que du point de vue économique et surtout économétrique, il n'existe pas Il n'existe pas un modèle capable, disons, de considérer, d'envisager et de faire des calculs et même pas de prévisions par rapport à un choc de ce type, car les modèles économiques et économétriques existants étaient réglés soit sur des chocs géolimités, donc imaginons que les marchés financiers de l'Argentine s'effondrent, par exemple, ou par contre sur des chocs mondiaux et donc globaux, mais des très courtes durées. Donc, ce qui se passe a été non seulement imprévisible, mais surtout complètement imprévisible aussi du point de vue de l'ampleur de ces retombées. Voilà pourquoi aucun expert, aucune société d'experts ou de conseillers est en mesure de faire de prévisions, car les métriques et les systèmes économétriques n'existent pas pour faire ce type de calcul et de prévisions. Di fronte a questi dati, quello che abbiamo visto e che ci riguarda poi da vicino è un intervento dello Stato o della Commissione europea o comunque nel caso degli Stati Uniti poi della Federal Reserve direttamente. Perché senza un intervento esterno, economico, finanziario dello Stato o dell'Unione europea, il settore sarebbe crollato. Cioè, questi dati che vediamo adesso sui applicati a una qualsiasi compagnia aerea ne provocherebbero il fallimento immediato. I dati che abbiamo visto prima sui risultati finanziari di questa società ne provocherebbe l'immediata chiusura, con un effetto domino su tutti gli altri, anche sui fornitori. E vous comprenez bien qu'avec des chiffres de ce type, toute compagnie aérienne, toute société serait forcée de déposer immédiatement son bilan. Et donc, voilà pourquoi les gouvernements aux États-Unis, la Federal Reserve, et en Europe, la Commission européenne, ont dû intervenir lourdement
pour pallier à cette situation si grave et urgente, car sinon, toute société, normalement, avec des chiffres de ce type, se serait effondrée. Ça, c'est la situation. Dovrò andare un po' più veloce, nel senso che dovremmo concludere tra poco per dare spazio alle domande. Quindi scusate se alcune cose le vedrò con velocità. Scusami Matteo se ti interrompo, voglio ricordare ancora a tutti i partecipanti, per qualsiasi domanda, visto che Matteo appunto vuole concludere giustamente la presentazione per dare spazio alle vostre domande, chiunque avesse delle questioni, dei dubbi o degli interessi, mi raccomando di scriverle in chat e le mettiamo insieme e riusciamo poi a porle anche alla fine dell'intervento. Grazie, scusa Matteo. Oui, avant de laisser Mathieu continuer, et il va, disons, conclure son intervention assez tôt, car il désire fortement laisser de l'espace et du temps à vos questions. Et n'hésitez pas à partager vos questions sur le chat, car on va donc les transmettre à Mathieu afin qu'il puisse vous répondre. Questo è un dato molto interessante. Come vedete, qui stiamo parlando della spesa dei privati sulle carte di credito rispetto a un anno fa. Come vedete, c'è stato un crollo appunto verso aprile, sostanzialmente per tutte le categorie turistiche, ma la ripresa non è stata simile per tutti. Vedete che il turismo di noleggio case, Airbnb, HomeAway è tornato dei livelli, mentre invece traffico internazionale, quindi aerei, crociere, hotel, invece hanno sofferto e stanno ancora soffrendo tantissimo. Alors ici, vous voyez des données concernant l'usage des cartes de crédit, toujours pendant la période de 2020, et vous voyez qu'en général, il y a une chute de l'usage des cartes de crédit, mais et donc à partir du mois d'avril, vous voyez très clairement les données, mais vous voyez qu'après, il y a eu pour certaines branches d'activité, il y a eu une reprise. Regardez par exemple l'usage des cartes de crédit, donc les dépenses réalisées avec cartes de crédit pour location donc de maison avec Airbnb ou HomeAway. Et vous voyez donc comment la reprise est là, alors que pour d'autres services comme l'achat de vols aériens ou de croisières ou de nuits d'hôtel, par contre, la crise a continué. In questa slide invece ci passo velocemente solo per dirvi che questi sono gli investimenti in startup del nostro settore. C'è stata una contrazione ma non rilevante. Questo perché, non mi dilungo, i mercati finanziari questo colpo lo assorbiranno poi i problemi ci potrebbero essere fra un anno. Però ad oggi vediamo, cioè se avete un'idea innovativa in una startup. Oggi rischiate di imbattervi in finanziamenti ancora più grossi perché i finanziamenti sono di meno come numero, ma più grandi come entità e lo rimarrà ancora per tutto il 2021. Ici, vous voyez une planche assez intéressante qui concerne les investissements en le jeune pousse dans le secteur du tourisme. Et vous voyez en fait que la réduction n'est pas si grande que ça. Et d'ailleurs, d'habitude, les retombées sur les marchés financiers de choc de ce type se voient après longtemps et pas tout de suite. Et en général, par contre, ça pourrait paraître paradoxal, mais à l'heure actuelle, si vous avez une idée innovante pour une start-up, ce serait peut-être le bon moment d'essayer votre fortune, car en fait, vous pourriez tomber sur des gros investissements, car d'un point de vue quantitatif, on en a moins, mais en général, ceux qui investissent, investissent plus. Qualche previsione. Allora, questo è un altro dato, tra virgolette, banale, ma solo per darvi l'idea del fatto che in questo momento voi e noi dobbiamo rivolgerci innanzitutto ai clienti che già abbiamo avuto. Quello è il nostro tesoro, perché i clienti che già sono stati da noi sono clienti che si fidano. Difficilmente noi oggi riusciamo a lavoriamo su una minoranza, lavoriamo, vedete, su quel 26% che in Europa è aperto a fare nuove esperienze.
Ici, vous voyez une planche sur les prévisions pour l'avenir. Et en général, je pense que nous, vous, donc nous tous ensemble, nous devrions tout d'abord miser et nous adresser à ceux qui ont déjà été nos clients, donc ceux qui ont déjà de la confiance en nous, car ceux qui sont, par exemple, en Europe, disposés à faire des nouvelles expériences, vous voyez, représentent une part assez limitée, dans ce cas spécifique, 26%. Altro dato qui, parliamo di previsioni, questa slide è una previsione appunto di Lufthansa Innovation Hub, vuol dire un po' poco, ma il senso è che ci sia un effetto cosiddetto elastico, quindi un rimbalzo e viene dato, tra virgolette, al 10%, che ci sia una rapida ripresa. Lo scenario principale è un 50%, una ripresa lenta, al 40% una ripresa lentissima. Quindi diciamo che il 40% vuol dire che per anni noi non raggiungeremo i volumi che abbiamo fatto nel 2019. Ici, vous voyez quelques prévisions calculées et mises au point par une réalité qui s'appelle Lufthansa Innovation Hub. Et vous voyez qu'il y a trois scénarios qui sont définis. Le premier, qui est une reprise rapide. Par contre, l'hypothèse la plus probable est constituée par le deuxième scénario, donc 50%, c'est-à-dire qu'on prévoit une reprise lente. 40% représente par contre le scénario qui prévoit une reprise très lente. Cela signifierait que pendant des années, on aurait même du mal à atteindre les mêmes volumes qu'on avait en 2019. Qualche pericolo. Vedete, questo è sempre un dato che trovo molto interessante. Quindi c'è un pericolo di oligopolio o monopolio. Come vedete, tutti hanno subito i grandi, almeno le grandi piattaforme online, ma qualcuno si sta riprendendo molto prima di altri. Appunto, Booking, Airbnb. Questo vuol dire che ancora di più rischiamo di avere un mercato dominato da pochissimi soggetti. Et ici, vous voyez d'autres données très intéressantes sur les dangers de cette donne. Il y a des dangers concrets d'oligopole ou de monopole, car en fait, si en général les grosses plateformes ont beaucoup souffert de la situation, il y a quelques acteurs du marché, notamment par exemple Booking et Airbnb, qui montrent une reprise importante avec deux chiffres à la hausse inquiétante d'un certain point de vue. Et donc, il faut faire attention aux dangers d'un oligopole ou monopole. E una slide sul pericolo Google e poi dopo vedremo anche una possibile opportunità, nel senso che Google già prima del Covid ha di fatto si sta comportando in maniera non troppo leale nei confronti delle online travel agency, che però valgono il 12% del suo fatturato, quindi 15 miliardi di dollari all'anno sono spese dai vari Booking, Expedia per fare pubblicità su Google. Google, lo sappiamo tutti, ha cominciato pesantemente a fare prenotazione alberghi piuttosto che prenotazione di voli e vedete che il secondo trimestre di Google è addirittura in positivo. Quindi Google sta continuando a lavorare bene. 8 aziende tedesche, HomeAway, Get Your Guide, hanno fatto un'azione contro Google. Anche perché, e questo è un dato molto interessante, le persone continuano a cercare online destinazioni turistiche, prenotano solo molto di meno, ma in realtà la ricerca legata al turismo è diminuita solo del 10%. Alors ici, regardons une planche concernant un danger lié à Google. Après, je vais vous présenter aussi une planche sur une opportunité. Mais d'abord, les dangers sociétés qui, comme King,
dépensent beaucoup d'argent pour se promouvoir sur Google. Et en fait, les opérateurs constituent 12%. Donc, ça fait au total par an 15 milliards. Donc, ce n'est pas de pois chiche. Mais vous voyez que Google a commencé entre-temps à proposer des services de réservation directe d'hôtels, des vols, et tout cela a engendré donc un business qui a donné à Google, dans le deuxième trimestre de l'année, même un signe positif. Et pour pallier et contrecarrer cette situation, 8 sociétés allemandes, y compris par exemple HomeAway, ont décidé d'entamer des poursuites légales vis-à-vis de Google. Mais en général, il faut dire aussi une autre chose intéressante, que pour ce qui est des recherches et des enquêtes sur Google autour du thème du tourisme, cela n'a diminué que de 10%. Ce que les gens font moins, c'est de réserver. Mais en fait, ils continuent de chercher des choses et des informations concernant les tourismes. Qualche opportunità, perché in tutto questo disastro c'è anche qualche opportunità, speriamo. La prima opportunità è che chi sta veramente perdendo sono alcune OTA, e il fatto che possa in realtà prendere più potere Google in realtà potrebbe essere un vantaggio per tutti i piccoli. Sostanzialmente un domani potrebbe essere più facile mettere le proprie proposte direttamente disponibili online, perché se le persone le trovano su Google non devono fare un doppio passaggio, e questo eviterebbe anche molte percentuali lasciate alle OTA. Il turismo per forza vivrà sugli incentivi statali per almeno i prossimi 24 mesi, quindi si apriranno delle opportunità che alcuni stati coglieranno meglio di altre, e avrà un effetto sicuramente più importante sulle piccole e medie imprese che sulle grandi, perché nel mondo turistico sappiamo tutti benissimo che i margini sono bassissimi. Parliamo del 10, del 12, del 15, del 20%, ma alla fine. Quindi i finanziamenti che vengono erogati nella misura del 10-20% sul fatturato mancato, in realtà equivale, tra virgolette, al margine che le aziende avevano. C'è spazio per nuove idee, e ci sarà tantissimo spazio. Dobbiamo prepararci a molte opportunità pubbliche e private sui bandi, e basta, su Google l'ho già detto prima. Alors, après donc les dons. On espère que quand même des opportunités puissent se créer et se profiler. Alors, commençons tout d'abord par une constatation autour des grands opérateurs en ligne, donc ce qu'on appelle les OTA, donc les Online Travel Agencies, qui en fait sont les véritables perdants de cette situation. Et ça pourrait paraître là aussi paradoxal, mais si à l'avenir ils auront encore plus de problèmes, peut-être. Avait été un petit peu, donc comme ça auront plus de pour eux malgré avec les utilisateurs finaux. Deuxièmement, considérant que le secteur va pour les petites et moyennes entreprises qui pourraient paradoxalement souffrir moins que les gros opérateurs. Rappelons-nous que dans ces secteurs, en général, des intermédiaires du tourisme, les marges étaient déjà assez limitées, entre 10, 12, 15, 20% au maximum, mais pas plus. Et le fait que les subventions n'atteignent, ne couvrent qu'entre 10 et 20% de ce qu'on appelle les manques à gagner, évidemment, cela pose beaucoup de problèmes, surtout aux plus grosses réalités. Et puis, voilà, il y a toujours de l'espace pour des nouvelles idées innovantes qui, sans aucun doute, pourraient bien se développer dans une zone de ce type. Ok, Susanna, io intanto ti perdo, quindi no, non so se posso andare avanti. Io ci sono, vai pure. Ok, perfetto.
Avviandoci alla conclusione, l'importante è ripensare a dei modelli, questo ve lo dicono tutti e ce lo dicono tutti, ma il senso è, se non siete così fortunati da essere in una località periferica che ha visto aumentare le prenotazioni in questo ultimo periodo, se non avete sufficiente liquidità per sopravvivere da soli nei prossimi 2 anni, l'unica strada è quella di pensare a nuovi servizi e nuovi prodotti. Alors, j'en viens à la conclusion de mon allocution en vous disant que si vous n'êtes pas situé dans des lieux soi-disant périphériques qui ont vu pendant cette période de crise aussi des déplacements, une augmentation de leur flux touristique. Pendant les 2 prochaines années. Repenser à des nouveaux modèles pour redevenir attrayants pour des touristes et des visiteurs. Nuovi scenari, qui cose che probabilmente sapete già, ma vi do qualche dato, è la prima volta che c'è un'inversione, cioè che è più elevato il turismo locale rispetto a quello internazionale, dato banale e scontato, ma non c'era mai stata un'inversione di questo genere. Aumenta il last minute, quindi quando pensiamo alle nostre offerte, pensiamole in un'ottica molto più ravvicinata. Aumenta la richiesta di vacanze più lunghe, qui si rientra anche il discorso di Airbnb, quindi più home rental rispetto a o agriturismi o comunque situazioni che non siano l'hotel. E i prezzi non stanno calando per quello che riguarda le esperienze e le attività outdoor. Susanna, io non ti sto sentendo, non so se gli altri ti sentono. Vous m'entendez? Ah, ok. En général, quelqu'un m'entend? Adesso di nuovo, non benissimo, ma ti sento. Ok, alors, quelques pistes de réflexion sur les nouveaux scénarios pour l'avenir. Tout d'abord, pour la première fois, il y a eu le tourisme local qui a dépassé le tourisme international avec un plus de 36%. Et puis une augmentation du tourisme dernière seconde. Et là aussi, donc, il faut repenser peut-être son offre touristique dans cette optique, donc en proposant des choses qui puissent, disons, s'adapter et s'écaler dans ces contextes du last minute, donc de la dernière seconde. Et aussi, une demande accrue de séjour de plus long. Ou de nuitées dans des structures qui ne soient pas des hôtels, comme par exemple le site de ferme touristique. Et en général, on constate, disons, une évolution de prix intéressante, car pour tout ce qui est activité en plein air, il n'y a pas eu une chute de prix, mais bien au contraire, les prix sont à la hausse. Ultima slide. E appunto l'home vacation rental è raddoppiato da marzo a maggio, quindi ha avuto una ripresa molto più veloce. Quello che dicevo prima, cioè il ruolo dello Stato, purtroppo o per fortuna si dovrà avere uno Stato molto presente, anche con non solo supporti finanziari, ma anche con operazioni strategiche. Quando vi dicevo prima di pensare a un pivot, tra virgolette, quindi un cambio del proprio business, ci sono addirittura delle catene di hotel che stanno ridisegnando le loro proprietà come spazi di co-working. C'è il trend che vi segnalo dei digital nomads, quindi persone che fanno lavori nel campo digitale e che oggi possono lavorare da qualsiasi posto nel mondo. A me ha colpito che ho fatto una call con una persona di Google che l'ufficio a Londra ed erano a Taormina in un hotel 4 stelle che gli costava meno del loro appartamento a Londra. Questo è un trend interessante e sta aumentando. Molte aziende digitali non torneranno a breve con lavoro in ufficio. L'ultima cosa che vi dico
è una grande, secondo me, opportunità. Cioè, ripensate al concetto delle risorse umane in uno scenario globale. Vuol dire che mentre fino a pochi mesi fa noi pensavamo al nostro team, al nostro ufficio, con persone, se sono di Torino, persone che abitano a Torino nei dintorni, oggi non è impensabile che il vostro nuovo responsabile marketing sia una persona che fino a un mese fa lavorava a Expedia, a New York, o se non a New York, in Argentina, e che lavori per voi, fuso permettendo, Londra, Stoccolma, quello che volete. Quindi c'è possibilità di migliorare di molto il proprio team, pensandosi in uno scenario globale anche proprio come, come società. Allora, vogliamo... l'on constate une augmentation énorme de la demande de location de maison, car sur la période de mars à, au mois de mai, la demande de location de maison a doublé. Et puis, on constate aussi un rôle de l'État qui se renforce et se réaffirme, car à l'avenir, donc, on devra encore envisager l'intervention de l'État, non seulement par des moyens financiers qui seront mis à disposition des opérateurs, mais aussi de par des opérations stratégiques. Mais tout cela aussi ouvre des nouvelles opportunités. Pensons par exemple au basculement d'activité qui a été mis en œuvre par certains hôtels qui ont transformé, converti leur structure en espace pour le coworking, donc pour offrir aux travailleurs des espaces à partager ou travailler. Et puis il y a aussi les phénomènes des nomades numériques, dont ces gens qui peuvent exercer leur travail de n'importe où et donc qui peuvent tranquillement travailler de n'importe quel endroit ou quelle localité. Par exemple, il m'est arrivé de parler avec une personne de Google qui normalement travaillait à Londres, mais lors de notre, disons, rencontre virtuelle, notre réunion virtuelle, il était dans un hôtel 4 étoiles à Taormina, car en fait, cette solution est aussi moins chère pour la société que, disons, la location à Londres. Et donc, imaginons, revoyons, repensons l'univers de ressources humaines dans une optique globale, mondiale. Et cela pourrait être fructueux et, disons, favorable aussi pour nos équipes, car donc maintenant, on n'a plus de frontières. On peut tranquillement embaucher ou travailler avec quelqu'un qui travaillait jusqu'à il y a peu de temps pour expédier à New York et, ou en Argentine, qui, évidemment, si les fuseaux horaires sont compatibles, peut tranquillement, à distance, travailler aussi pour nous, avec nous. Donc voilà, revoyons aussi les ressources humaines dans une optique mondiale. Ça, c'est très intéressant comme scénario. Merci, j'ai terminé. Grazie mille. Non so, Simone, se abbiamo tempo per delle domande. Se ci fosse tempo... Io sono purtroppo siamo arrivati proprio agli sgoccioli. Mi senti tu, Matteo, giusto? Sento. Ok, fantastico. E dicevamo, ormai siamo arrivati proprio agli sgoccioli, ci scusiamo ancora per i problemi tecnici iniziali e anzi per il grande lavoro che hanno dovuto fare sia Matteo che Susanna per la traduzione, e quindi siamo arrivati proprio a ridosso della fine. Vi rimando al link in chat dove vi potete collegare al rimando finale, quindi alla plenaria di conclusione. Vorrei solamente fare un'ultima domanda, un ultimo spunto a Matteo, ma aspetto che Susanna magari traduca questa parte. Voilà, malheureusement on n'a plus de temps pour des questions, car à cause de ces petits problèmes techniques, on a essayé de faire de notre mieux pour quand même garantir. Donc merci pour votre. Et bon, je mets dans le chat le lien pour se connecter. Susanna, purtroppo anch'io ti sento un po' a scatti. Provo comunque a fare magari uno spunto finale a Matteo. Ok. Juste une dernière remarque avant de conclure pour Matteo. E volevo solamente chiedere, giusto perché mi sembra che sei stato molto esaustivo e completo su tutti quelli che sono sia le sfide, le criticità, che anche le opportunità che aspettano, diciamo, il turismo in generale.
Più che una domanda è una richiesta. Quali potrebbero essere degli spunti di strumenti utili per affrontare tutte le criticità che abbiamo detto? In particolare mi viene in mente la slide che hai dedicato ovviamente alla crescita di Google e magari qualche esempio virtuoso. Quindi qualche spunto pratico da lasciare semplicemente in conclusione magari a tutti i partecipanti e a chi ci sta seguendo. Voilà Mathieu, donc cette petite question, considérant les opportunités, les dangers que tu nous as présentés, donc quels sont des outils ou des solutions ou des exemples concrets que l'on peut mettre en œuvre et dont on peut se servir face à des phénomènes tels que par exemple l'entrée aussi dans les services, disons, liés au tourisme et au voyage? Merci. Allora, rispondo a Simone molto sinteticamente dicendo che quello che bisogna fare è che ognuno in cuor suo deve vedere se lo fa, lo sta facendo e se ha le risorse interne, se non le ha deve trovarle, utilizzare i principali canali del digitale. Quindi vuol dire se non avete mai fatto una campagna di digital marketing su Facebook, dovete farla. Se non avete un canale Instagram ancora, dovete farlo. Se non avete un canale YouTube, dovete farlo. Se non usate dei canali di comunicazione digitale tipo Slack, o Teams con i vostri colleghi, dovete farli. Se non avete mai usato un CRM come HubSpot, Salesforce, Zoho, provate a usarlo. Non è detto che queste cose vi cambieranno la vita, però dovete provare a usarle. Se non avete le competenze, trovate qualsiasi giovane che possa applicarle lato vostro. Concludo dicendovi che il messaggio che vi do è che questo è il momento migliore per essere, come diceva Steve Jobs, affamati e folli. Cioè, se avete idee pazze anche a côté, a lato del mercato turistico, fatele, perché ci saranno il mio augurio, il mio auspicio è che ci saranno le risorse per poterle fare. Non fossilizzatevi su un business che non pensate che finirà a breve. Cambiate se, cioè, innovate, non cambiate azienda, ma innovate la vostra azienda profondamente perché oggi avete l'opportunità di farlo. Fra un anno non avrete più questa opportunità. Voilà, alors je termine en disant tout simplement que, au-delà du fait que tout d'abord il faudrait constater la disponibilité des ressources nécessaires en interne, il faut vraiment utiliser le numérique, les canaux numériques. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites immédiatement. Avez-vous jamais réalisé une campagne de marketing numérique? Avez-vous une chaîne YouTube ou utilisez-vous Instagram? Utilisez-vous des outils comme Teams pour faire les réunions avec vos collaborateurs? Est-ce que vous avez jamais utilisé un système de CRM, donc de gestion de la relation client, comme Salesforce, Zoho, HubSpot? Ou est-ce que vous avez fait tout ça? Oui ou non? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire, car vous ne pouvez pas penser à appliquer de modèles de business anciens et de rester figé à des modèles qui ne sont pas du tout adaptés au temps et aux situations. Et si vous n'avez pas les compétences pour faire ça, donc recrutez des jeunes qui sont, disons, très à l'aise avec ces outils, ces langages, ces moyens. Et donc, c'est le bon moment pour innover, c'est le bon moment pour être insatiable, être affamé, être fou, comme le disait Steve Jobs, et pour tenter sa chance, car c'est le bon moment. Car dans un an, on ne pourra plus le faire. Ça, c'est le bon moment, car après, si on réussira à survivre avec des bonnes idées, on pourra vraiment prospérer à l'avenir. Merci. Fantastico, io ringrazio ancora davvero sia Matteo per la fantastica presentazione, per le risposte, ringrazio ancora Susanna per essere riuscita a venirci incontro in questo problema tecnico e a tradurre a seguito delle varie parti di cui ha parlato il relatore. Ringrazio tutti voi per averci seguiti in quest'aula tematica, vi rimando al link che c'è di nuovo in chat. E vi aspettiamo nell'aula finale, per discutere delle ultime cose, fare un rimando e salutarci tutti. Quindi grazie ancora infinitamente.
Voilà, un grand merci donc de ma part pour votre participation. Un grand merci à Mathéo pour la présentation très intéressante, plein de bonnes idées et des tuyaux. Merci aussi à Susanna qui a assuré la traduction malgré les petits problèmes techniques dont on s'excuse encore. Merci encore une fois. Je vous renvoie le lien pour retourner en plénière pour les derniers mots de salutation. Et merci et voilà, à la prochaine. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Arrivederci. Passo in plenaria.